Alors voilà, comme promis, la suite de notre anniversaire. Vous avez vu sur le top flop la semaine dernière et voici cette semaine le top vidéo. Donc Rétrogaming RH a 6 ans. On va essayer de tenir encore 2 petites ou 3 petites années, même peut-être voire plus. On verra bien. Donc on va commencer ce top vidéo des meilleures vues Rétrogaming RH depuis toujours. Et on ne mérite pas vraiment cette 10e place, mais très content que ça soit 10e. C'est tout simplement le générique Club Dorothée Jiraya, donc tiré d'une VHS. On a eu 43 pouces et 3460 vues. On continue avec la 9e position. Comment réparer une Mega Drive HS? Donc, comment on pourrait réparer cette console? Mais celle-là était fort, fort sale en fait. Donc, c'est plus du nettoyage. Donc, 3464 vues avec 32 pouces, 17 pouces rouges. Donc, une vidéo qui est quand même assez partagée. Mais bon, qui intéresse quand même certaines personnes. Et en 8e position, on a réparé une bande VHS coupée, cassette vidéo, avec 4222 vues, 26 pouces et 3 pouces rouges. Donc une vidéo qui a plutôt bien marché pour de la VHS, si vous avez envie de réparer vos vieilles bobines. On va continuer avec la 7e position. Critique cinéma sur Peur Bleue, Deep Blue Sea 2. Donc, avec 4852 vues, 5 pouces bleus et 11 pouces rouges. On continue, et ça a déjà enchaîné avec le blind test, le quiz musical sur Barbie, avec 3537 vues. 5307 vues, pardon, 59 pouces et 8 pouces rouges. Donc une vidéo qui cartonne. Très content que cette vidéo fonctionne de fond de Dieu. On continue avec la 5e position. C'est le 31e test Virtual View Megumi sur PS2 japonais. Donc un jeu coquin. 15 pouces bleus et 1 pouce rouge, 7030 vues, donc ça cartonne, c'est bien. En 4e position, on a notre 99e test, La Reine des Neiges Frozen Disney Infinity sur Wii, 16 pouces et 5 pouces rouges, 7086 vues. Donc c'est plutôt pas mal dans le top. Elle avait fort cartonné au départ, maintenant elle s'essouffle vraiment très très vite. Elle fait à peine quelques vues en fait cette année, mais elle avait cartonné dès le départ. En 3e position, c'est réparer une NES qui clignote, qui a servi à énormément de gens. 7464 vues, 32 pouces bleus, 2 pouces rouges seulement. Donc franchement, une de nos meilleures vidéos, je pense, et qui sert. On me voit de temps en temps en arrière-plan, si vous pouvez voir. En 2e position, notre 29e test Tizen OG Mix sur PS2 que j'avais fait avec Jean-Philippe. Donc un jeu de Mahjong déshabilleur. Donc tout simplement 11827 vues avec 10 pouces rouges, 10 pouces bleus, pardon, et 11 pouces rouges. Donc on a plus de rouge que de bleu sur cette vidéo également. À vous de rétablir la donne. Et en première position, on va tout simplement retrouver, devinez quoi? Et je pense que vous avez tous deviné. C'est habituel, ça a toujours été dans les premiers. Donc tout simplement, regardez, suspense. Et oui, c'est encore nos petites starlettes japonaises qui sont en première position depuis plusieurs années. Alors note tout simplement 3e test Virtual View RCT A-Play sur PS2. Harumi Nemoto, on peut la voir dans cette vidéo, une star assez connue. Avec 19
564 vues, 40 pouces bleus et 15 pouces rouges. Donc franchement, en fait, c'est une vidéo qui est pas mal et qu'on a bien, bien foutu. Mais en y repensant, j'aurais tendance à mettre un petit peu plus sur la note en vieillissant parce que ces jeux-là avec des starlettes japonaises, bah, on n'en a plus pour l'instant. Depuis la PS2, PS3, on n'en a pas eu, PS4 non plus. Un petit peu dommage, ça serait bien qu'ils nous retapent ça. Je vous remercie pour d'avoir regardé Retro Gaming RH. Au revoir.